les amis de santé et divertissement, Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. La vitamine E est un nutriment connu pour ses propriétés antioxydantes, à savoir, il aide à prévenir le vieillissement de la peau, protection contre les radicaux libres qui peuvent endommager nos cellules et les tissus et rendre la peau moins jeune. Par conséquent, cette vitamine est un bon complément pour les soins personnels et surtout pour lutter contre le vieillissement prématuré de la peau. Dans de nombreux produits cosmétiques, vous trouverez ce précieux nutriment, bien que toujours mélangé à des composés chimiques et en très petite quantité. Propriétés et avantages de la vitamine E. La vitamine E, qui est également connue sous le nom de tocopherol, est un composé ayant une teneur élevée en antioxydants qui aide à la dissolution des graisses et nous protège également les acides gras saturés et des molécules toxiques qui sont formées par l'activité de notre métabolisme. De nombreux aliments contiennent de la vitamine E, y compris le soja, le riz, les jaunes d'œufs et de céréales, mais nous pouvons également profiter des avantages de cette vitamine grâce à une grande variété de suppléments nutritionnels naturels. La liste des avantages de la vitamine E pour notre santé est longue. Parmi eux, nous soulignons les suivants. Il est idéal pour les diabétiques, car il aide à contrôler les niveaux de sucre. Il agit contre les problèmes de circulation sanguine. Agit dans la formation de collagène pour assurer une guérison adéquate. Il améliore l'élasticité de la peau, prévient l'apparition de taches et la rajeunit. C'est un excellent allié pour notre système immunitaire car il aide à combattre les infections. Comment faire de l'huile de vitamine E, propriétés et avantages de la vitamine E? Comment faire de l'huile de vitamine E? Comme vous l'avez vu, cette vitamine est très bénéfique pour notre corps, il est donc normal que nous en tirions le meilleur parti et que nous fabriquions même notre propre huile. Pour cela, nous utiliserons également l'huile de coco comme deuxième ingrédient. Ceci est un grand allié pour les soins de la peau et de réduire le vieillissement et les rides en raison de sa teneur élevée en antioxydants tels que les vitamines E et K, et les acides gras monoinsaturés. Merci à ces composants nous protège un peu du soleil et convient à tous les types de peau, aide à régénérer la peau endommagée et les cellules, est un bon allié contre les maladies comme le psoriasis ou la dermatite dont les yeux et aplanit les cernes et apaise gonflement des yeux donc, si vous voulez préparer cette huile de vitamine chez vous, faites attention aux lignes suivantes. Ingrédients. Huile de noix de coco. 3 capsules de vitamine E sous forme liquide, vous les trouverez dans n'importe quel magasin d'herboristerie. Une bouteille en verre ou une bouteille. Pas suivre. Nous prenons une petite casserole et ajoutons une tasse d'huile de noix de coco. Nous chaufferons l'huile quelques secondes jusqu'à ce qu'elle commence à fondre. Ensuite, nous allons retirer l'huile du feu. Une autre option consiste à mettre la tasse d'huile au micro-ondes et à la chauffer pendant environ 30 secondes. Maintenant, nous perçons 3 capsules de vitamine E et ajoutons le liquide à l'intérieur dans l'huile de noix de coco fondue. Nous mélangeons les deux ingrédients à l'aide d'un bâton ou d'une cuillère, et une fois cette étape, ajoutez le mélange dans le seau ou une bouteille en verre contenant. Une fois refroidi, vous aurez de l'huile de vitamine E prête. Il y a aussi la possibilité que vous puissiez faire une crème de vitamine E à la place de l'huile. Pour ce faire, il vous suffit de placer le bocal en verre au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il se solidifie et de toujours l'utiliser froid. Comment utiliser l'huile de vitamine E? La façon d'utiliser cette huile maison avec de la vitamine E et d'autres avantages fournis par la noix de coco est très simple. Avant d'appliquer l'huile, vérifiez que votre peau est complètement propre. Pour de meilleurs résultats, mettez l'huile de vitamine E dans un environnement chaud environ 5 minutes avant l'application. Lavez-vous bien les mains. Si possible, lavez avec de l'eau chaude. Ensuite, remplissez vos mains avec de l'huile et massez la zone où vous souhaitez l'appliquer avec des mouvements circulaires et doux pendant quelques minutes jusqu'à ce que la peau ait absorbé l'huile. Rincez-vous les mains avec de l'eau une fois le massage terminé. Il est recommandé d'utiliser l'huile de vitamine E tous les jours de la semaine, de jour comme de nuit, pour obtenir de meilleurs résultats. Si vous aimez le contenu et l'information de la perte de poids, des recettes,
Astuces pour la santé. Rejoignez-nous dans le groupe Santé et Divertissement sur Facebook, vous pouvez le rechercher comme ça, et nous rejoindre pour plus de contenu et de dynamique. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, recettes pour la chute des cheveux, conseils en amour, faites-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.